is cold outside. Got to go. The baby is cold outside. Season has been hoping that you'd so drop in. Nice. I'll hold your hand just like ice. Beautiful words, you hurry. Just listen to the fireplace roar. A sweetheart, what's your hurry? Maybe just a half a drink. Put some records on while I pour. The baby is cold out there. Say what's in the street. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour ce mois-ci, forcément j'ai prévu une vidéo spéciale au niveau de la danse. Comme l'année dernière, ce sera une vidéo spéciale Noël et qui sera pas sur une musique orientale mais sur une musique de Noël. Je ferai quand même des mouvements orientaux mais sur une musique de Noël, je trouve ça plus fun. Et bah, comme vous avez pu le voir, j'ai accessoirisé un costume à moi qui était déjà blanc et rouge pour en faire un costume un peu de Noël. Alors bon, j'ai toujours mon bonnet tout nul qui est pas du tout de bonne qualité. Il faudrait que j'en achète un vraiment mieux parce que celui-ci, je sens qu'il va rester figé sur ma tête. Il va pas suivre mes mouvements. Mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est plutôt de s'amuser dans cette vidéo. Donc, je comptais partir sur un make-up blanc et rouge hein, comme le costume. Et ben on va commencer avec la palette Huda Beauty, la Ruby Obsessions. C'est une des seules où il y a du rouge au niveau des fards à paupières. Parce que c'est une couleur, je pense que personne n'utilise ça au quotidien. Enfin, c'est quand même très particulier le rouge. Et je dois en avoir une autre peut-être de palette où il y a du rouge dedans, mais c'est vraiment assez rare. Donc voilà, je vais commencer avec le mat qui est là. Alors, pour cette vidéo, j'ai envie d'essayer de faire quelque chose d'un peu drôle, un peu original. On est là pour faire un make-up artistique, en fait. Donc, je vais faire un cut crease, tout simplement. La partie haute en rouge et la partie paupière mobile en paillettes blanches. Et je vais peut-être rajouter quelques petits strass. Hein. Faut que ça brille, c'est Noël quand même. C'est pas mal, j'avais peur de pas réussir à faire trop symétrique, mais écoutez, ça me convient pas trop mal cette histoire. Je vais prendre un pinceau bien fluffy et je vais juste estomper un petit peu les bords. Le but c'est de flouter, que ce soit pas trop net, parce que là c'est un petit peu net. Donc après cut crease, avec donc la base Pelouise, je vais redéfinir le cut crease. Puisque là, je vais mettre après, au niveau de la paupière mobile, juste des paillettes blanches. Je ne vais même pas mettre de fard blanc en dessous. J'ai envie que ce soit en transparence. Donc, il faut que le cut crease soit bien net dès le départ. Ça me paraît pas trop mal comme ça. On va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Je prends ma colle spéciale pour la peau et je vais commencer d'abord, parce que je vais faire deux styles de paillettes. Je vais en mettre un petit peu sur le bord de mon rouge puisque je vais rajouter des paillettes rouges. C'est histoire de, hein, je suis pas en train de faire tout mon... Et donc je prends des paillettes rouges tout simplement. Je vais prendre un tout petit pinceau comme ça. Et je viens en aplat poser délicatement les paillettes. Bon, on est parti pour faire la base. Donc comme je vous ai dit, je ne mets pas de fard à paupières. Vous pouvez en mettre un blanc, un irisé si vous voulez. Moi, j'ai juste envie de mettre de la paillette un peu en transparence. Donc je reprends de la colle pour la peau et je vais en mettre sur toute la paupière mobile. Alors je sais, c'est pas agréable puisque ça va vous coller un peu la paupière, ça va vous cartonner un peu la paupière. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais normalement, ça devrait faire joli.
Donc, j'ai pris des petites paillettes vraiment blanches, pas multichrome, blanc blanc. Pour aller plus vite, j'y vais même au doigt sur la base. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment très très joli. Je suis pas sûre que sans les lumières, vous vous rendiez bien compte de ce que ça donne, mais j'aime beaucoup mon idée. Ouais, je suis vraiment contente, je trouve que ça rend vraiment bien. Alors à la caméra, je pense que j'ai l'impression quand je me vois que les paillettes rouges font un petit peu bizarre. Ça rend plus bizarre à la caméra que ce que ça fait en vrai. Donc je vais mettre de l'eyeliner. Donc ça, comme d'habitude, hein, je vous garde pas avec moi pendant que je le fais. On se fait ça hors caméra et je vous reprends juste après. Bon, voilà. C'était pas facile de mettre de l'eyeliner sur des paillettes puisque ça a tendance à vous faire baver. Un petit coup de mascara, même si je vais mettre des faux cils après. Hein. Donc là, je vais mettre le Marc Jacobs, le Hat Lash Lifting. Pour l'instant, on va passer au teint. Je prends le bébé Peau Parfaite d'Yves Rocher. Un coup de Shape Tape de Tarte. Et un peu de poudre Veil de Hourglass. Voilà, j'ai terminé de poudrer mon anti-cerne, donc je vais pouvoir venir remettre de l'eyeliner et je vous reprends juste après. Voilà, donc je passe au bronzer, je reprends Tarte avec le Park Ave Princess, qui est assez léger, hein. Là, on ne cherche pas à faire la danseuse orientale, on cherche à faire la danseuse de Noël. Au niveau du blush, je vais prendre celui-ci, Blossoming Beauty, en teinte naturelle Freesia de Kiko. Donc il y a une teinte comme ça. Je voulais une teinte pas trop rose ni orange, puisque là on est dans les tons de Noël. Et moi, la plupart des blushs que j'ai, ils sont dans des tons rose, pêche, tout ça. Donc là, c'est bien, vous voyez, ça fait très marron comme ça, mais au final, c'est quand même assez naturel, assez rouge. Et comme dans la famille Noël, on vit au pôle Nord, on a un peu froid au nez. On termine avec un petit peu d'highlighter. Donc, je vais prendre le Fantasy de Manakada, qui est une teinte champagne très simple. Hein. J'ai déjà mis plein de paillettes. J'ai pas envie d'en mettre plus que ça sur le haut des pommettes. J'ai déjà assez de paillettes sur les yeux comme ça. Donc, là, c'est vraiment histoire de refaire sortir un petit peu la lumière. Mais je cherche pas à briller de mille feux au niveau des joues. Un tout petit peu ici. Voilà.
Je vais m'occuper de mes sourcils peut-être, j'ai oublié, comme d'hab. Je vais juste mettre un petit coup de crayon, donc avec le Diego de la Palma, comme d'habitude, pour remplir mes trous. Et donc sur le peu qu'il me reste au-dessus de mon fard à paupières, je vais mettre un peu de How Brow Baby de chez Morphe. Donc qui est pour redéfinir un petit peu. J'aurais dû prendre l'autre. Je vais prendre l'autre après. Je vais déjà faire celui-là. Voilà, ça redéfinit un petit peu. Après, j'y vais au doigt pour le fondre à la peau. Voilà. Et donc, je disais, je vais prendre l'autre. Je parlais de l'autre Jumbo, le Spotlight de Ayeko. Parce que celui-ci est plus, un peu plus brillant. Pareil, j'estompe un peu les traits de crayon au doigt. Et je vais finir mon make-up en en mettant un petit peu en coin interne. Que je vais estomper après. Hein. Là, ça fait bizarre, on est d'accord. Je rejoins mon trait d'eyeliner en dessous. Hop, là, c'est pas mal. Et... je vais prendre un petit pinceau comme ça, vous savez, les petits pinceaux biseautés, juste pour estomper un peu le haut, que ça se fonde au reste du make-up, puisque là, ça fait un peu bizarre comme ça. Je mets un petit coup de fixateur, après je vais aller me lisser les cheveux avant de terminer mon make-up, c'est-à-dire... faire les faux cils et mettre du rouge à lèvres. Donc là, je prends le Wonder Woman de Kiko. Il est plus disponible à la vente, mais il est vraiment très bien. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Il amène vraiment un glow supplémentaire au visage. Parce que ce sont des micro-paillettes dorées. Bon, allez, let's go. Je vais m'occuper de mes cheveux et je reviens. Voilà, j'ai lissé mes cheveux. Là, je vais mettre mes faux cils. Alors, je voulais mettre aussi des strass. Je pense que c'est mieux que je mette mes faux cils d'abord parce que vu là où je voulais les mettre, je pense que si je les mets trop bas, j'arriverai plus après à mettre mes faux cils. Donc je vais d'abord mettre les faux cils, je vous reprends après et on passe aux strass. Voilà, alors maintenant on passe aux strass. Alors j'avais envie de faire tout simple, mais je pense que ça peut vachement agrémenter le make-up. Un petit strass rouge juste au-dessus de l'œil là et un petit strass blanc juste en dessous. Pour le rouge à lèvres, je vais prendre le Lip Power de Joséphine, qui est bah, forcément un rouge ultra rouge. On ne peut plus rouge. Bon, est-ce qu'il ne serait pas temps de mettre tous les accessoires? Alone on Christmas Day, restless.
starlight to break now. The spell. I'll take your hat, your hair looks swell. I ought to say no, 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 mind if I'm moving closer? At least I'm gonna say that I tried. What's the sense in hurting my pride? I really can't.